de pas oublier. De pas oublier le rêve, l'ambition, mettre la barre très haut, pas la descendre. Alors le move, c'est celui à la fois du groupe Le Monde, hein, qui est un move qui existe depuis plusieurs années, qui est d'avoir basculé, on va dire, vers des contenus payants, donc un modèle mixte entre gratuit et payant, un modèle mixte entre abonnement et publicité. Et le move de l'entreprise que moi je dirige, qui est M-Publicité, c'est une transformation vers plus d'intégration, plus d'accessibilité de nos audiences et on va dire plus d'expertise dans la capacité qu'on a à délivrer des contenus publicitaires auprès de nos audiences. Si on est là où on est maintenant, groupe Le Monde, par exemple en termes d'abonnement numérique, c'est parce qu'on a commencé tôt, c'est parce que cette démarche vers le numérique existe depuis longtemps. Après, ce qu'on voit et qui va beaucoup plus vite là, c'est quand on va sur des plateformes pour toucher des audiences plus jeunes comme YouTube, Snapchat ou TikTok, là le niveau d'adhésion il est hyper rapide. Donc ça veut dire qu'on va très très vite dans la relation avec eux et très vite on interagit avec eux. Qu'est-ce que je me conseillerais? C'est extrêmement bizarre comme situation, mais c'est intéressant. Je me conseillerais sans doute l'inclusivité, c'est d'être de me souvenir ce que j'étais quand j'étais étudiante en fait. Garder cette ambition très forte, se dire qu'une femme peut maintenant choisir son destin professionnel avec à la fois ambition, mais avec bienveillance et avec beaucoup d'inclusion.